Yo YouTube, donc aujourd'hui je viens pour un vlog, je vais en ville avec ma soeur et ma mère, on va faire mes fournitures scolaires avec moi et ma soeur. Du coup je vous emmène avec vous, j'essaie de parler vite parce que je suis en retard, je dois rejoindre ma soeur et ma mère, et je suis en retard du coup, j'essaie de vous faire un débriefing vite fait, comme ça vous comprenez du coup le concept de la vidéo. Et je voulais vous montrer du coup mon outfit d'aujourd'hui, j'ai mis un jean boyfriend que j'ai acheté en friperie, mes Air Force One rouge. J'ai mis un t-shirt comme des garçons et un blazer qui vient de chez Zara, il me semble. Et une sacoche qui vient, je sais pas, c'est à ma soeur en fait, c'est une petite sacoche. J'aime trop filmer mes pieds parce que c'est trop cute, regardez comment c'est trop beau. J'aime trop filmer. Aujourd'hui, il fait beau, mais il fait frais quand même. Fait mes ongles, je vais à la rentrée, j'ai pas d'ongles, genre bitch no, what is happening to me, oh my god, regardez, Shaik, dis coucou, bonjour, maman, écoute là, tu sais, ah je les aime trop, oui. En fait, son problème, c'est que elle aime trop les blazers. Je crois que c'est un problème. Genre, c'est un problème de ouf. De toute façon, allez voir son Insta, je mettrai son Insta. Mademoiselle fait de IGTV, donc allez check out. Hey. Je suis morte de la forme du pantalon que ça fait un moment. I'm very tired. The talent not another nightmare. Genre, elle est là. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça va faire 10 minutes qu'on l'attend et ça devient chiant. Je suis fatiguée et hungry. Ça va. Je sais pas si je vous l'ai dit, parce que vu que j'attends ma mère, je vais vous raconter un peu ma vie, mais on est le 29 août et je fais mes fournitures scolaires maintenant. Et ma rentrée c'est lundi, le 2 septembre, et on est jeudi le 29. Je vous avais préparé des vidéos back to school, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de les mettre. Du coup, on verra bien. Et voilà. Et pour ceux qui vont me demander en commentaire, on ne sait jamais, je préfère le dire. Je rentre en première année de licence. Alors, je suis en licence LEA, langue étrangère appliquée. J'ai quand même un peu peur, sachant que. Je viens d'un bac professionnel et j'ai l'impression que j'ai peut-être pas le niveau, mais faut pas se rabaisser dans la vie. Donc faut croire en ce rêve, il faut croire en soi en fait. Donc je crois en moi et à mes capacités. Et peut-être tout ira bien. Voilà. We gon' hit.
Donc, ma chaise, elle va grincer. Je suis désolée, j'ai pas pris la bonne chaise. Oh my god. Bref. On va essayer de pas la faire grincer. Donc là, je viens de rentrer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mes fournitures. Et je suis désolée, je suis super fatiguée. Le Burger King, il m'a mis KO, mais KO pas possible. Ça se voit dans mon visage que là, j'ai juste envie d'aller dormir. Donc, je vais vous montrer en bref mes fournitures. Je vais pas faire une vidéo à part fournitures scolaires parce que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de choses vu que je suis à l'université. Et donc, voilà, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je suis fatiguée. I'm very tired. So. Alors, j'ai pris du coup, ça m'a coûté 2,99€. J'ai pris ça, c'est un cahier détachable parce que je sais qu'à l'université on n'a pas besoin de cahier genre d'anglais, cahier de français, cahier de histoire, bref on n'a pas besoin de ça. Du coup j'en ai pris un comme ça en rouge. Et un autre en bleu, comme ça je pourrais le détacher. Et le mettre dans un classeur. Je vais vous montrer le classeur que je vais mettre les feuilles. Alors j'ai un classeur comme ceci. Il est super grand, je l'avais eu pour la terminale. Ceux qui sont en bac pro à RCU, vous savez que le classeur grand comme ça là, il est très important. Celui-là, ce classeur là, genre, il te suit toute l'année, genre depuis la seconde tu dois l'avoir. Bref, ceux qui sont en pro à RCU, vous le savez. Bah moi je l'avais et du coup j'ai enlevé tout ce que j'avais utilisé de mon année du lycée. Et voilà, j'ai mis des pochettes transparentes et des intercalaires, on appelle ça comme ça, je sais plus trop. En gros je vais séparer voilà, mes matières, j'ai marqué par exemple si je fais de l'éco droit, je vais mettre la matière et ensuite je vais mettre des feuilles parce que ça va me permettre de garder mes fiches de révision. Je sais pas si vous voyez. En gros, alors je vais prendre ce cahier là par exemple. J'ai un cours d'anglais. Bah, j'ai marqué tout mon cours. Et pour pas que les feuilles restent dans le cahier et que je comprenne rien du tout, je vais venir voilà, le mettre par exemple ici. Et comme ça, je sais que voilà ma fiche de cours d'anglais, elle est là. Ma fiche de Intel, elle est là. Donc voilà, ça va me permettre du coup de garder ça chez moi et voilà, de me trimballer qu'avec un cahier. Je sais que déjà à l'université, je vais ramener mon ordinateur aussi quelquefois parce que l'ordinateur c'est vraiment facile et tout. Après, j'ai pas un ordinateur Samsung, Apple, tu vois, c'est ça qui est chiant. Mais je vais essayer d'économiser, de mettre un ordinateur Apple. C'est vraiment un ordinateur Apple que je veux. Et du coup, je vais essayer d'économiser pour essayer de l'avoir. On verra bien, on verra. Donc voilà, j'ai acheté ça pour mettre aussi mes fiches de cours de certaines matières aussi. On appelle ça quoi? Un trieur, voilà. Un trieur, voilà. Du coup, j'ai acheté un trieur pour mettre. En fait, je verrai aussi si j'utilise le classeur ou le trieur, mais je pense que je vais utiliser le classeur parce que c'est plus propre. Un trieur, tu perds tes feuilles, je vois. On verra bien. Mais j'ai pris un trieur parce que ça me semblait nécessaire et il m'a coûté 1,90€. J'ai pris une règle, vous savez, c'est important les règles. You know. Alors j'ai pris un agenda. Si vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Comme ça. Je trouve que cet agenda-là, il a coûté 1€. Je sais pas du tout si à l'université, c'est important un agenda, mais bon. On sait jamais, genre. Parce qu'à chaque fois, je demande aux gens, je me dis, mais personnellement, c'est pas nécessaire. I don't know, je sais pas trop. Mais moi, j'ai pris parce que j'ai pris comme ça, c'est dans ma. C'est noté et voilà, ça restera, genre. Voilà. J'ai pris des copies doubles, on sait jamais si j'ai des devoirs maison ou des trucs que j'ai pris. Il faut savoir que ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez, à l'université, on n'a vraiment pas de fourniture. On n'a vraiment pas de fourniture. Tu sais pas ce qu'il faut acheter. C'est ton instinct en fait. C'est toi. C'est toi qui vois en fait. C'est ton instinct et basta. Ensuite, les surligneurs, vous savez, c'est très important. Après,
acheté une gomme, des gommes, ça m'a coûté 69 centimes. Je sais pas si je vous ai dit ça, ça m'a coûté combien, mais je pense que je vous ai dit 1,99€. Voilà. Franchement, j'ai pas vraiment beaucoup acheté, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que je sais pas quoi acheter aussi. Et puis voilà quoi. Et très important, les souris. Et celle-là, ça a coûté 2,49€. Et sinon, j'ai acheté ça. Du coup, c'est des Bic. Et ça a coûté 3€. Et sinon, franchement, j'ai pas acheté vraiment beaucoup de choses. J'ai pas montré ma trousse. Alors, ma trousse, elle est comme ça. Elle est super cute, regardez. C'est comme les enfants là. Je sais pas si vous allez voir. Ça, ça fait ça là. Bon. J'aime trop. Attends, il y a trop de lumière. Elle est comme ceci. J'ai déjà des choses. J'avais des stylos, de la colle, des ciseaux, une agrafeuse. J'ai déjà des choses à l'intérieur. Donc voilà. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys. 27 hearts.